2004, vie professionnelle et sociale. L'agriculture en 2040. Les fermes seront autonomes en énergie. Elles seront certainement propres, sans gaz à effet de serre. Avec tous les gaz que produisent mes vaches, on sera les rois du pétrole, on aura de l'énergie à revendre. Avec le traitement des effluents, les engins fonctionneront peut-être au fumier ou au lisier. Au moins, les concitoyens ne diront plus que l'on est des pollueurs et que les étables ne sentent pas bon. Je gère le temps qu'il fait, le soleil, la pluie, et j'arrive à faire 2 à 3 récoltes par an. Au moins pour éviter le réchauffement climatique. Sinon, au rythme où on va dans le nord, on produira du vin. Dans 40 ans, la structure aura changé. Les vers de terre n'existeront plus. Les champignons et l'humus non plus. L'argile ne fera plus son travail. Et la nappe phréatique sera polluée. Enfin, moi, je travaille de manière raisonnable et je respecte ma terre. Nous utiliserons des méthodes alternatives pour faire des produits de qualité. Les plantes n'auront plus besoin de terre. On les mettra dans des gouttières et des lampes apporteront la chaleur nécessaire. J'aurai des nouvelles espèces et d'autres en voie de disparition. J'aurai des vaches hybrides. On est un pays à forte tradition qui se transmet au fil des générations. Les races locales font la richesse du terroir. Je pense aussi que les structures seront bien plus imposantes et plus spécialisées. On verra des grosses exploitations bovines ou avicoles. Goûte, un bon morceau de cochonaille et une bonne côte de charolaise locale. Dans mes plaines, mes engins iront tout seuls. Je les programmerai et ils feront le boulot. Moi, je fais tout à la main. J'ai encore mon 680 et ma 3/4. Je répare tout moi-même. Plus besoin de chaussures de sécurité. Je travaillerai en pantoufles. Et toi, si ton satellite tombe en panne, tu retrouves ton tracteur en Espagne. Avec les nouvelles semences, les plantes que nous cultiverons seront adaptées partout. Fini la betterave, à nous la canne à sucre, au moins on aura du rhum pour rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra être capable de nourrir 9 milliards d'habitants. Toujours des papiers, ça n'arrête pas. L'agriculture est un métier qui est de plus en plus administratif. Si ça continue, en 2040, nous serons plus secrétaires qu'agriculteurs. Enfin, tu n'as qu'à t'équiper d'outils ultra modernes. Regarde, je viens juste de déclarer mon veau-né ce matin. Mais bon, c'est pas ce qui fera veiller ta vache tout seul. Thank you.
De toute façon, je serai tellement équipé qu'une ferme de plus ou de moins, ça ne sera pas un souci. L'œil de l'éleveur, les bras du laboureur ne s'en remplaceront jamais. Toi, tu crois que tu vas rester assis sur ton fauteuil et que tes robots feront tout? Au pire, je t'embaucherai, tu travailleras pour moi et tu t'occuperas de régler les outils. L'agriculture est une histoire d'hommes. Mais ça va pas, non? Aujourd'hui, une exploitation sur quatre est gérée par une femme. Nous sommes capables d'exercer ce métier parce qu'on a de gros bras et que nous savons conduire les engins. Terminé le temps où la femme s'occupait de la cuisine, des papiers et des enfants. De toute façon, on dit tout le temps, femme au volant, plantée dans le champ. Tu verras, les femmes géreront l'agriculture en 2040. Au final, aujourd'hui, je suis élève. Mais en 2040, peut-être que mon enfant sera scolarisé à la MFR. Et moi, j'aimerais rentrer au conseil d'administration. Tant qu'il y aura des familles, il y aura des maisons familiales et rurales. Tu seras peut-être le futur président.